émission de Philippe Conrad, avec des sujets, comme d'habitude, extrêmement variés. Bonjour, chère Bonjour, Catherine. Cher Philippe. En effet, aujourd'hui, nous commencerons par évoquer la question de l'impôt, puisque j'essaierai de présenter les origines de l'impôt sur le revenu. Le sujet qui fâche, mais sujet d'actualité, puisque entre le troisième tiers et les impôts locaux, les Français doivent être un peu bougons par les temps qui courent. Et ensuite, Catherine, vous nous parlerez de la création du système métrique. L'aventure de la méridienne sous la Révolution. Pleine Révolution. Et nous aurons comme invité Alain Sanders, qui vient de publier une biographie du général Robert Lee, le héros de la cause sudiste. Cela nous ramènera vers la guerre de sécession, 150 ans en arrière. Mais avant de commencer l'émission, nous avons aussi parmi nous aujourd'hui Hilaire de Crémier qui vient nous présenter un colloque qu'il organise, je crois, le 3 octobre. Parfaitement, le samedi 3 octobre 2014, dans l'après-midi de 2015, pardonnez-moi, de 14h à 19h, donc le samedi 3 octobre 2015. Et pourquoi je parlais de 2014, c'est parce que j'avais dans l'esprit d'évoquer un premier colloque qui s'était tenu de ce même cercle Vauban le 6 décembre 2014 et qui avait été un plein succès. Mais ce colloque s'adressera principalement à des jeunes, ce qui n'empêche que toutes les générations sont invitées, tout le monde peut y venir. Il a lieu salle Rossini, 10 rue de l'Annonciation, dans le 16e arrondissement, au métro Passy ou RERC, station Boulainvilliers. Et ce colloque se déroulera donc dans l'après-midi et mettra en scène des jeunes professionnels ou des étudiants qui interrogeront des personnes qui sont engagées politiquement, philosophiquement, nationalement, et de façon à apporter des réponses aux questions que peuvent se poser dans le drame actuel de notre société, de notre civilisation et particulièrement de notre France, que peuvent se poser très justement les jeunes générations. Et donc nous aurons l'avantage d'avoir Henri Hude, philosophe bien connu, écrivain, normalien. Nous aurons également Jacques Trémollet de Villers, l'avocat, qui est bien connu, moi-même, directeur de Politique Magazine, comme journaliste. Je répondrai aux questions, notamment politiques, que se posent très légitimement les jeunes actuels, étant donné la crise institutionnelle vers laquelle nous nous dirigeons. Et puis, il y aura également des personnalités comme Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, qui est bien connu, et qui répondra à des questions très pratiques. Comment peut-on encore aujourd'hui être maire de Montfermeil et faire du bien dans une société où tous les mécanismes semblent toujours tourner plutôt vers le mal? C'est possible. Il y aura Alexandre Peset également comme formateur, et il y aura un chef d'entreprise qui répondra aux questions comment être à l'heure actuelle un chef d'entreprise dans une société qui est pratiquement organisée contre l'entreprise, comme chacun sait. Très bien. Et ça, voilà, c'est un événement, parce que je crois que le but de ce tel colloque, c'est de conscientiser, selon les termes qu'employaient nos maîtres marxistes dans nos années de Sorbonne, de conscientiser les jeunes générations sur le système politique qui rend pratiquement impossible le bien, sauf à le faire, mais dans quel cadre et comment. Donc j'invite beaucoup toutes les générations à venir le samedi 3 octobre 2015, salle Rossini, 10 rue de l'Annonciation, l'effondrement qui vient, la réponse est politique. Voilà. Et les jeunes ont mis même ubériser la politique. À partir de 14h30. Hein. À partir de 14h. Le titre dit tout, l'effondrement qui vient. Eh bien, le message est lancé. Merci Hilaire. Et merci, espérons que merci, vous aurez Philippe. Beaucoup de monde, je n'en doute pas. Merci.
Comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, je vais vous parler aujourd'hui de l'impôt sur le revenu. Les circonstances s'y prêtent en ces temps de ponction fiscale, car c'est toute une histoire que l'apparition de cet impôt sur le revenu. On sait que les Français ont toujours eu des problèmes avec l'impôt dès la monarchie. Hein, on se souvient, ça nous a été rappelé l'an dernier, de la révolte des bonnets rouges bretons, pour ne rien dire des croquants du Périgord et des nu-pieds de Normandie. Et à la fin de l'Ancien Régime, les Français étaient très, très mécontents du système fiscal. Ils en voulaient surtout à la ferme générale, hein, qui était chargée de la perception des impôts indirects et dont la suppression était universellement réclamée dans les cahiers de doléances de 1789. Hein. Il en allait un peu différemment de la taille de la capitation et du dixième, les impôts directs, car ceux-là, ils étaient prélevés dans le cadre des paroisses et c'était les élus locaux qui s'en chargeaient. Alors évidemment, c'était beaucoup moins lourd et beaucoup mieux supporté que la perception d'impôts indirects qui de plus était très inégalement perçue selon les provinces du royaume. C'était vrai notamment pour la gabelle particulièrement impopulaire. Les cahiers de doléances réclamaient donc la suppression de la ferme générale, un impôt territorial basé sur la propriété foncière et puis une taxe sur ce qu'on pourrait appeler les signes extérieurs de richesse, le fait d'être propriétaire de chevaux ou d'avoir des domestiques, par exemple. Et puis surtout, on ne voulait plus entendre parler des gabelous, les agents de la ferme générale chargés de récupérer le montant de la gabelle, l'impôt sur le sel. Alors qu'a fait la Constituante ? La Constituante a établi un impôt foncier, un impôt personnel et mobilier sur l'apparence de richesse de chacun, et puis une patente pour les commerçants. Et puis on a mis fin aux impôts indirect et on a fait disparaître la ferme générale. Un système a priori peu coûteux, organisé dans le cadre municipal, donc très décentralisé, avec un minimum de vérification. Inutile de dire que les résultats n'ont pas été transcendants, malgré les espoirs de l'Assemblée constituante, qui proclamait en juin 91 qu'elle espérait que les citoyens porteront à l'envie à offrir tous les acomptes qui seront en leur pouvoir, et qu'elle ne sera pas surprise que la plupart d'entre eux feront pour la patrie encore plus qu'il ne leur sera prescrit. Bel optimisme, mais le problème c'est que pour l'impôt foncier il n'y avait pas de cadastre et quand il s'agissait de fixer le montant de l'impôt personnel ou mobilier, cela se faisait au niveau des municipalités, on imagine donc que son rendement n'allait pas se révéler extraordinaire. Hein. Bien sûr, c'est la catastrophe et la vente des biens du clergé n'y change rien évidemment, les finances s'effondrent et en plus à partir d'avril 92 le coût de la guerre va aller grandissant, donc il va falloir trouver d'autres moyens, contribution patriotique exceptionnelle en 1790, contribution personnelle et somptuaire en 1795, rien de tout cela ne va empêcher la course à l'abîme. Celui qui va remettre de l'ordre évidemment c'est Bonaparte, au lendemain du 18 Brumaire, eh bien il va charger Gaudin, ministre des Finances, futur duc de Gaète sous l'Empire, de rétablir la situation. Dès décembre 1799, celui-ci va établir la direction des contributions directes, avec un directeur et un inspecteur par département. Il va mettre en place 840 contrôleurs, donc une centralisation rigoureuse du système. On va commencer à mettre en place le cadastre dès novembre 1802, et à la fin de l'Empire, 15 millions d'hectares seront recensés sur 52 millions. Le travail sera terminé sous la monarchie de Juillet. L'assiette de l'impôt foncier sera ainsi précisément définie. En février 1804, on va mettre en place un corps de percepteurs, fonctionnaires rémunérés, nommés par l'État, qui vont remplacer les commissions mises en place par le directoire. Il y aura ainsi 8000 percepteurs qui vont être chargés de récupérer, de recouvrer l'impôt. On va s'intéresser aussi aux contributions indirectes. On va rétablir les droits sur les boissons dès février 1804. Une régie des droits réunis va se charger des droits sur les tabacs, sur les cartes
carte à jouer. Et le plus beau, c'est qu'en 1806, on va rétablir l'impôt sur le sel, c'est-à-dire la gabelle tellement décriée sous l'Ancien Régime. On va la voir revenir. Alors au début, pour limiter un peu les dégâts, on va charger les municipalités de tout cela, mais très vite, ce seront les fonctionnaires d'État qui seront chargés du recouvrement. C'est vrai également pour tout ce qui concerne les droits de douane. Il y avait 12 000 employés chargés des douanes en 1799, à la fin du directoire. Il y en aura 35 000 en 1812. Inutile de dire que tout cela va assurer à l'Empire des ressources fiscales régulières et importantes, d'autant que désormais, au niveau de l'administration centrale, il y a plus de 1500 employés qui sont occupés dans les bureaux parisiens. Nous sommes très loin, évidemment, du système fiscal de l'Ancien Régime, avec toutes ses faiblesses et toutes ses insuffisances. On va en plus entamer un recensement méthodique des contribuables, et à la fin de l'Empire, eh bien 17 millions de cotes concernant les contribuables seront d'ores et déjà établies. Donc un travail d'organisation, un travail administratif tout à fait énorme, qui font que Napoléon et son ministre Gaudin sont vraiment les créateurs, les fondateurs de l'administration fiscale telle qu'elle va s'installer pour notre époque contemporaine. On a avec cette administration fiscale l'une des fameuses masses de granit mises en place par le régime napoléonien, avec le code civil, avec les lycées pour l'enseignement secondaire, avec le système judiciaire également. Tout cela fait partie donc des acquis de la période, d'autant que dans le même temps, Napoléon a créé une administration du trésor confiée à Mollien et qui va compléter heureusement, évidemment, pour le fonctionnement financier du régime, l'administration des contributions. Le bilan, c'est qu'en 1815, il ne reste rien des projets formulés en 1789, il ne reste rien de l'œuvre de la Constituante, hein, et on a pu dire que le système tel qu'il existait à la fin de l'Empire, Necker et Louis XVI auraient vraiment été très content de l'avoir en 1788, au moment où la France s'apprêtait à réunir les États généraux pour justement trouver une solution à la crise financière de la monarchie. Alors le résultat de tout cela, c'est qu'en 1815, un certain nombre d'émigrés, de champions de la restauration au sens fort du terme, pressent Louis XVIII de revenir, n'est-ce pas, sur ce système fiscal, mais prudent comme dans beaucoup d'autres domaines, eh bien, Louis XVIII va favoriser la continuité et remettre à plus tard une éventuelle réforme qui ne viendra jamais. Et l'héritage impérial va demeurer tout au long du XIXe siècle. Hein. Alors, ce XIXe siècle, petit à petit, on va voir émerger une autre idée pour assurer à l'État des revenus plus importants, c'est l'idée d'un impôt sur le revenu, dont la mise en place va demander effectivement beaucoup de temps, puisqu'il faudra attendre juillet 1914 pour en arriver là. Hein, juillet 1914, le 15 juillet 1914 précisément. Alors certes, nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore basculé dans la phase finale de la crise qui va conduire à la guerre, mais on imagine que la loi que vote le Sénat à ce moment-là est quand même passée largement inaperçue, et les Français ont eu ensuite quelques autres soucis davantage prioritaires. En tout cas, cette installation de l'impôt sur le revenu, c'est l'aboutissement d'un très long débat, d'une longue évolution qui s'est révélée assez complexe. En fait, il faut revenir à 1871, après la défaite, il faut que la France se donne les moyens d'une renaissance nécessaire après avoir perdu, comme on le sait, la guerre contre l'Allemagne.
une France qui a des ressources, hein. On l'a vu quand le gouvernement de Thiers a lancé deux emprunts successifs pour rembourser de manière anticipée les indemnités de guerre dues à l'Allemagne, ils ont été couverts plus de 10 fois. Donc la France prospère, de la longue prospérité du 19e siècle, la France qui a bénéficié depuis le franc germinal de Napoléon de 1803 jusqu'en 1914 d'une stabilité monétaire parfaite, hein, eh bien cette France-là, elle a des ressources et l'État, évidemment, entend bien en profiter. Et dès 1876, Gambetta, qui est à l'époque le leader des républicains, qui ne veut pas se contenter des seules augmentations des impôts indirects ou des droits de douane pour donner davantage de moyens à l'État, lance l'idée d'un impôt sur le revenu progressif. Et ce n'était pas absolument nouveau, hein, quand il était opposant sous l'Empire, dans le fameux discours de Belleville de 1869 qui présentait le programme républicain, il avait déjà lancé cette idée. Et les républicains vont seuls l'approprier en cette fin des années 1870, au moment où ils arrivent de fait au pouvoir, hein, après la démission du maréchal de MacMahon. Et à ce moment-là, un clivage va apparaître rapidement entre les républicains opportunistes, hein, les modérés, incarnés par un Gambetta ou un Jules Ferry par exemple, et puis les républicains radicaux, qui vont être représentés, pour simplifier, par quelqu'un comme Clémenceau. Et progressivement, bien, la revendication de l'impôt sur le revenu va devenir le fait des seuls radicaux. Hein, les opportunistes progressivement vont devenir de fait des hommes qui se reconnaissent dans un centre droit, qui se préoccupe avant tout de la bonne marche des affaires, qui ne veut pas freiner en quoi que ce soit la course à la richesse, et donc on va oublier dans ce camp-là progressivement l'impôt sur le revenu. Il va revenir au premier plan en 1889 avec un ministre des Finances, Paul Pétral, qui est dans un gouvernement floquet dominé par les radicaux. Mais le projet ne rencontre guère de succès et il ne sera même pas discuté. Il faut rappeler qu'à l'époque, sous la Troisième République, une loi de ce type devait être votée bien sûr par la Chambre des députés, mais aussi par le Sénat, qui était de manière très claire beaucoup plus conservateur, comme son nom l'indiquait d'ailleurs, et hostile à toute évolution en ce sens. Ensuite, nous avons des législatures de droite au cours desquelles il n'est pas question de revenir sur ce sujet. Cela change un petit peu après 1893, dans le gouvernement Léon Bourgeois en 1895, Paul Doumer, qui est ministre des Finances, veut imposer un impôt progressif sur les successions, mais aussi un impôt sur le revenu. Et la Chambre des députés va adopter en 1896 ce projet, mais comme le gouvernement va chuter presque immédiatement, eh bien, il repartira aux oubliettes et le modéré Jules Méline, qui occupe à l'époque le poste de président du Conseil, ne va pas relancer en quelque sorte cette idée. Alors, les choses peuvent changer en 1898 parce que les élections déplacent vers la gauche le centre de gravité de la vie politique, mais le gouvernement Brisson n'a pas le temps parce qu'il dure très peu de temps. C'était le lot de bon nombre de gouvernements de la Troisième République d'aller très loin dans ce sens. Cela peut pourtant changer avec le gouvernement Waldeck-Rousseau. Gouvernement Waldeck-Rousseau dont on sait qu'il est un gouvernement de défense républicaine. Hein, il s'agit de l'emporter sur le camp anti-Dreyfusard à l'époque principalement, et ce gouvernement il va durer de 1899 jusqu'à 1902. Et dans ce gouvernement Waldeck-Rousseau, vous avez un homme qui va en quelque sorte se confondre avec la cause de l'impôt sur le revenu, si l'on peut dire, c'est Joseph Caillaux. Hein, Joseph Caillaux, une grande figure de la Troisième République, hein, né en 1863, fils d'un ministre de MacMahon, mais qui lui va rallier le camp radical et qui va faire une grande carrière politique,
ponctué d'un certain nombre d'épisodes inattendus, n'est-ce pas ? Il est ministre à 36 ans, ministre des Finances à 36 ans, car on lui reconnaît une réelle compétence dans ce domaine. C'est vraiment un spécialiste de ces questions. Et comme il est en permanence installé dans la classe politique, il est député de la Sarthe, député de Mamers de 1898 jusqu'en 1919, avec à l'époque quelques misères, on le sait, durant la guerre, puisqu'on l'accuse de pacifisme. Ensuite, on va le retrouver au Sénat de 1925 à 1940, celui qui sera le tombeur de Léon Blum au Sénat sur les questions financières. En tout cas, Caillaux, sa grande idée, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, quand il est dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, il se rend bien compte qu'il n'y a pas la majorité politique nécessaire entre la Chambre et le Sénat pour faire passer cette réforme. Donc, il va attendre une situation apparemment plus opportune. Et puis, il faut dire que les Français s'accommodent finalement du système tel qu'il existe. Ils ont leurs habitudes. En plus, je l'ai dit, la prospérité continue du 19e siècle fait que il râle évidemment contre les impôts, mais globalement, le système tel qu'il est convient à la grande majorité des citoyens, des électeurs. Et le vieux système va perdurer. Alors, le vieux système, c'est ce que l'on appelle les quatre vieilles. Il y a l'impôt foncier, il y a la patente pour les commerçants, il y a la contribution personnelle mobilière, il y a cet impôt, cette taxe tout à fait curieuse, portes et fenêtres, où on impose les gens en fonction du nombre de portes et de fenêtres de leur logis. C'était les fameuses quatre vieilles que l'on avait là. Et on leur avait ajouté, en 1872, une taxe sur les revenus des valeurs mobilières. Et le système fonctionnait comme ça, et globalement, la société s'en accommodait. Mais au bout du compte, quand on arrive au début du XXe siècle, en 1900, les impôts directs représentent à tout casser 20% des recettes, ce qui est peu, les droits de succession 25% et les impôts indirects 55%. Alors effectivement, les radicaux considèrent qu'il y a là des réserves possibles de ressources et qu'il faudrait passer à l'impôt sur le revenu. Ils présentent ça même comme une grande conquête républicaine à venir. Ils inscrivent ça dans une continuité, la réforme du Sénat conservateur, par exemple, ensuite la politique scolaire de Jules Ferry, le combat pour la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, eh bien l'impôt sur le revenu, ça sera l'étape supplémentaire dans le sens d'une véritable égalité républicaine, ça sera une cause magnifique pour les champions du progrès contre les tenants de la réaction. En même temps, ils sont un peu en contradiction, c'est radicaux, parce que on sait à quel point leur républicanisme farouche et virulent, mais en même temps ils sont quand même des défenseurs absolument inconditionnels de la propriété privée. Alors il y a là, il y a évidemment une petite contradiction qui les sépare d'ailleurs sur leur gauche des socialistes. Mais Caillaux va revenir aux affaires pendant le gouvernement Clémenceau, qui est le plus long gouvernement de la Troisième République, entre 1906 et 1909. Il a entre-temps publié en 1904 son traité technique de l'impôt. Il fait valoir que l'impôt sur le revenu, il existe en Angleterre depuis 1842, il existe aux Pays-Bas et en Allemagne dans les années 1890, l'Autriche, les cantons suisses s'y sont ralliés également. En plus, à gauche, évidemment, Jaurès et les socialistes sont pour. Évidemment, à droite, c'est un épouvantail. La droite, d'ailleurs, les monarchistes et les bonapartistes sont en pleine déroute, là, au début du XXe siècle, c'est la droite républicaine qui domine maintenant. Et le refus de l'impôt sur le revenu, ça va faire partie un petit peu de son ADN. On reprend la formule de Thiers qui parlait de l'impôt sur le revenu, l'atroce impôt sur le revenu. Selon le sénateur Jules Roche, ce n'est qu'un instrument politique pour les démagogues. Donc, la droite y est très hostile. La revue des Deux Mondes en 1903 explique que
tout projet d'impôt sur le revenu ne peut être amélioré, car il faudrait choisir entre la peste et le choléra, et cet impôt serait un instrument de spoliation et d'oppression. Alors, Caillot revient aux affaires comme ministre des Finances sous Clémenceau, nous l'avons dit. Il va relancer le projet, le présenter devant la Chambre, qui va voter ce projet en 1909, mais l'opposition du Sénat va se maintenir jusqu'en juillet 1914. Hein. Quand Caillot devient Premier ministre en 1911, pendant à peu près 6 mois, il est complètement pris par l'affaire d'Agadir, la question marocaine, et il n'a pas le temps de s'occuper de la question. Hein. Ensuite, il devient président du Parti radical, donc une position très, très importante. On peut s'attendre à ce que les choses avancent dans le sens de l'impôt sur le revenu, mais Poincaré lui est très hostile, Poincaré qui est devenu président de la République, et empêche qu'il devienne président du Conseil. Hein. Il revient toutefois aux finances dans le gouvernement Doumergue, hein, et relance évidemment la question, mais entre-temps, on sait évidemment ce qui arrive, hein, la campagne lancée contre lui par le Figaro, qui était très hostile à l'impôt sur le revenu. On sait comment tout ça se termine de manière dramatique. Henriette Caillot va aller assassiner le directeur du Figaro, Calmette, et donc Caillot obligé de démissionner. Finalement, c'est son remplaçant aux finances, Joseph Noullens, qui va porter la réforme devant le Sénat. Là, les choses ont quand même bougé, ont quand même changé. Au printemps 14, il y a eu des élections générales avec une très forte poussée à gauche, hein, et même si les opposants dénoncent encore la hideuse inquisition fiscale, c'est avec la loi de finances que le Sénat va finir par voter l'impôt général sur le revenu par 230 voix contre 54. Nous sommes le 15 juillet 1914. Bien sûr, les Français vont avoir bientôt d'autres priorités que ce problème fiscal. Et oui, la hideuse inquisition fiscale. Voilà. Et bien, c'est toujours l'actualité. Ah, il y a un petit peu de vrai, oui, bien sûr. Merci Philippe. Restez avec nous. Comment faisait-on avant le maître? Eh bien, c'était pas simple. Alors, depuis la plus haute antiquité, les Romains, par exemple, avaient une mesure qui était le pied, et très souvent, les mesures étaient basées sur le corps humain, le pied, le pouce, et c'était pas n'importe quel pied ou pas n'importe quel pouce, mais celui du roi, en général, mais pas forcément le roi actuel sous lequel vivaient les gens. Il y a bien eu un Anglais, John Wilkins, qui avait essayé de trouver une mesure pour mettre tout le monde d'accord, et il était arrivé tout près du mètre. C'était à base d'un pendule qui se balançait pendant 2 secondes et ça donnait 97 cm des poussières. Mais ce n'était pas encore ça. Donc il fallait quand même trouver quelque chose qui soit plus simple parce que c'était le bazar le plus complet. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire une partie parce qu'il y a 800 noms différents des mesures de l'époque. Alors le bois à brûler se vendait à la corde, le charbon de bois à la banne, le charbon de terre à la bacherelle, l'ocre au tonneau, le bois de charpente à la marque ou à la solive, ça dépendait des régions. On vendait les fruits à cidre à la poinçonnée, le sel, alors là ça se complique, au muit, au sétier, à la mine, au minot, au boisseau, à la mesurette. La chaux, c'était au poinçon, le minerai à la rasière. J'adore tous ces noms-là. On vendait l'eau de vie à la potée, le blé au muit, à l'écuellé. Alors l'étoffe ou les tapis, c'était à l'aune carrée, mais ça pouvait se compliquer. Par exemple, à Marseille, c'était la canne pour les draps. Et la canne pour la soie, toujours à Marseille, c'était 1/14 plus grand. Donc ça se compliquait encore. Les bois et les prés, c'était en perche carrée, mais la vigne en doré. L'arpent, parce qu'on parlait beaucoup d'arpent, valait 12 homées.
Et qu'est-ce que c'était que Lomé ? C'était le travail d'un homme en un jour. Mais ça pouvait être levré dans d'autres régions. Et les apothicaires, alors là, c'est le pompon, les apothicaires, ils pesaient en livres, en onces, en drachmes et en scrupules. Alors la livre valait 12 onces, l'once 8 drachmes, la drachme 3 scrupules et le scrupule 20 grains. Donc il était vraiment temps de trouver quelque chose qui soit plus simple et plus universel et surtout qui ne soit pas un étalon humain et plutôt un multiple de 10, c'est quand même plus simple que 12 ou 8. Alors on est en 1791 et le roi se penche sur le problème. Louis XVI s'intéressait beaucoup au problème scientifique et il charge Condorcet et Jean-Charles de Borda de trouver quelque chose qui soit absolument non discutable et qui vaille pour tous les hommes, tous les pays, pour tous les temps. Donc c'est une vision bien au-delà des frontières. Il n'y aura que les Anglais qui vont résister, et puis on sait ce qui va se passer avec la Révolution, donc les pays en guerre contre la France vont résister aussi longtemps. Donc Condorcet, Jean-Charles de Borda, ils sont des grands scientifiques, et ils décident de prendre une partie de l'arc méridien qui passe par Paris et qui va de Dunkerque en Catalogne, à Barcelone. Pourquoi Dunkerque et Barcelone ? Parce que c'est au bord de la mer et que c'était plus facile à mesurer. Et on décide de façon comme ça que ça sera la 40 millionième partie du méridien. Il n'y a plus qu'à. Et comment on fait pour ça ? Alors, je ne vais pas me lancer dans la trigonométrie parce que je suis nulle et je me ridiculiserai. Mais en gros, il va y avoir une série de triangulations. C'est-à-dire qu'il faut trois points élevés. Il faut mesurer avec ce qui s'appelait déjà une théodolite. Rien à voir avec Dieu. Hein. Théodolite, c'est plutôt de la racine de théâtre. Hein. Parce que ça m'étonnait que ça soit la pierre de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, ils faisaient de savants calculs. Ils arrivaient à avoir de trois angles et deux côtés, et avec ça, ils pouvaient avoir le troisième côté. Et bref, c'est un travail absolument monstrueux, parce qu'ils vont devoir, tous les 25 ou 30 kilomètres, trouver des points en hauteur. Alors, il y a des clochers, ça peut être une petite colline. Quand il n'y a pas de point en hauteur, et ben, il faut construire une espèce de tour, et c'est pas simple. Là aussi, il faut des charpentiers. Enfin, bref, c'est un travail monstrueux. Et il va y avoir deux hommes qui vont s'attaquer à ça, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. Pierre Méchain, lui, plutôt, on dirait qu'il a des idées progressistes, il va être très content de la Révolution. Ça ne va pas lui porter chance, c'est bien fait. Et Jean-Baptiste Delambre, lui, beaucoup plus traditionnel et un grand savant. Alors, il décide qu'il part de Paris. Un, Delambre, va aller vers Dunkerque et l'autre va aller vers Barcelone. Et ils sont censés se retrouver à Rodez, quelques mois plus tard. En fait, ça va mettre 7 ans. 7 ans de galère absolue. Parce qu'ils vont faire ça en pleine révolution. Ils partent en 1792, l'été 1792, avec de très lourdes berlines. Alors, extraordinaires les berlines, faites sur mesure. Elles peuvent, c'est un peu comme des camping-cars maintenant, c'est-à-dire qu'ils peuvent y dormir, ils peuvent y manger. Il y a des tables pliantes pour étaler les cartes. Toutes les parois de la berline sont creusées de petites niches d'étagères pour mettre les instruments de mesure qui sont fragiles, bien sûr, des lunettes astronomiques, tout un matériel assez complexe, mais même très complexe. Et puis, dans une cassette, des lettres pour toutes les régions qu'ils vont traverser, des lettres signées du roi, et qui disent « Monsieur Delambre ou Monsieur Méchain sont chargés d'une mission de la plus haute importance par l'Académie des sciences. Veuillez leur faciliter les choses. » L'ennui, c'est qu'ils vont tomber sur des révolutionnaires locaux qui sont encore peut-être pires que les révolutionnaires parisiens, c'est-à-dire encore plus abrutis, et qui voient une lourde berline remplie de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent « Ouh, ça, ce sont des espions, c'est pour communiquer avec l'ennemi. » Et ça va être un véritable cauchemar. Ils vont être sortis de leur berline. Les révolutionnaires sortent manu militari, tout un matériel fragile. Alors plus Delambre leur dit « Mais faites attention, c'est très, très, très fragile. C'est précieux. Ah bon, précieux ?» Alors il s'énerve, il dit « Mais enfin, regardez, on est missionné par l'Académie. » Et le révolutionnaire lui dit « Je ne connais pas cette Académie, de toute façon, on est tous égaux maintenant, etc. » Et il tombe sur la cassette avec les lettres pour les différentes régions. Et il commence à ouvrir une lettre, elles sont toutes cachetées.
il y en a 60 ou 70, et il la lit péniblement, puisqu'il savait à peine lire, et la lettre, effectivement, est un ordre de mission. Puis il en ouvre une deuxième, puis une troisième, alors là, c'est Pierre Méchain qui partait vers le sud, qui s'énerve en disant, mais écoutez, elles sont toutes pareilles, ces lettres, vous allez en décacheter combien? Il y en a 60. Et il lui dit... vous connaissez les statistiques, mon ami. Erreur grave, il ne fallait pas dire ça. Prenez-en une au hasard dans les 70. Si c'est la même que les 10 que vous venez d'ouvrir, c'est que, évidemment, ce sont toutes les mêmes et vous nous laissez partir. Et sinon, bah, je veux bien être arrêté sur le champ. L'autre se gratte la tête. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, il en prend une au hasard, évidemment, c'est la même. Bon, il les laisse partir, mais ils perdent un temps fou. Et puis de vouloir sans arrêt monter dans les clochers, c'est suspect, c'est pour prévenir l'ennemi. Surtout celui qui va vers Dunkerque, qui sera obligé de demander au général de Custine un sauf-conduit. Mais même les sauf-conduits révolutionnaires, ça ne leur suffit pas. Ils sont arrêtés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Delorme va finir par réussir la mission. Méchain, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il a un terrain beaucoup plus difficile. Il se retrouve en Pays Basque, il est dans la montagne, et puis il n'a pas de chance, c'est le type qui n'a pas de chance, il va avoir un très grave accident, il va tomber dans le coma pendant plusieurs jours, il va perdre l'usage du bras droit, hein, plus ou moins la vue, il va être... Bref, il accumule les ennuis, et surtout, il va se tromper. Il va se tromper, c'est pas de sa faute, mais c'est que le terrain est très difficile. Et quand il veut vérifier ce qu'il a trouvé avec un relevé astronomique, la position des étoiles, parce que c'est un très bon astronome, hein, c'est lui qui va trouver, par exemple, 29 objets célestes sur 110 du catalogue Messier. C'est lui qui va découvrir 7 comètes aussi, c'est un bon astrologue. Et là, il se rend compte... qui s'est trompé et il s'est trompé de 3 degrés. Et ça fait une différence de 2 cm sur le mètre. Donc c'est énorme. Et il ne va pas oser le dire tout de suite, il va traîner pour envoyer ses résultats, puis il va bidouiller, il n'y a pas d'autre mot, ses résultats finalement. Il va porter ça sur la conscience, du coup il va devenir dépressif. Alors, on a un astronome révolutionnaire dépressif avec qui a plus de bras droit. Et il va retourner refaire ses mesures. Et là, quand je vous dis qu'il n'a pas de chance, il meurt de la fièvre jaune. Mais bon, personne ne s'est rendu compte que les résultats étaient faux. Il faut attendre 1806 pour que Delambre reprenne le tout et se dise « Non, non, ben, ça ne va pas, il manque 2 mm. » Donc il va tout recommencer. Enfin, on arrive au mètre. Et il faut prévenir les gens que maintenant, la mesure, c'est le mètre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer dans tout Paris et la région parisienne des mètres en marbre sur les murs. Eh bien, il en reste encore 4. Vous pouvez aller les voir. Il y en a un qui est 36 rue de Vaugirard. Il y en a un à Place Vendôme. Il y en a un à Croissy-sur-Seine. Et puis un à Sceaux, je crois, ce qui est normal, puisque le mètre est à Long, évidemment, est à Sèvres. Alors maintenant, c'est totalement dépassé. Évidemment, le mètre est à Long. Mais enfin, en 1889, c'était cette barre de platine et d'iridium à 15 mètres sous terre, au pavillon de Breteuil. En 1960, on trouve un autre moyen plus sûr, qui est la longueur d'onde d'une radiation d'un isotope du krypton. Et puis en 1983, encore plus sûr, c'est la vitesse de la lumière dans le vide absolu. Donc on n'a plus besoin du maître étalon de Delambre, qui va faire une très belle carrière sous l'Empire, va finir baron. Et on a donné son nom à un cratère sur la Lune. Il a son nom sur la tour Eiffel, il a fait vraiment une belle carrière. Méchain, le pauvre, bon, il doit avoir un lycée du côté de l'An, c'est déjà ça. Et il y a quand même un astéroïde qui porte son nom. Allez, il n'a pas tout perdu. Alors, comme je le signalais au début de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Sanders, qui vient de publier aux éditions Pardès une biographie du général Robert Lee, le héros de la cause sudiste, de la cause confédérée. Or, nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la guerre de sécession. Donc, évidemment, c'est l'occasion de revenir sur cet épisode majeur de l'histoire américaine, mais qui dépasse largement les frontières des États-Unis par ce qu'il représente en ce milieu du 19e siècle. Alors cette guerre de sécession, Alain Sanders, il faut peut-être rappeler
d'abord pour nos téléspectateurs, quelles sont ses origines, ses principales étapes, et puis nous reviendrons un peu sur les débats historiographiques qui ont accompagné ce moment fort de l'histoire du XIXe siècle. Alors on va déjà faire litière tout de suite de l'habituelle vulgate, il y a les bons et les méchants, l'histoire en noir et blanc, alors qu'elle s'écrit en gris, comme l'uniforme des confédérés. Et on est, quant aux raisons, on rejoint votre démonstration sur les impôts tout à l'heure, c'est des taxes fédérales nordistes qui étouffent le sud agricole. Ça, c'est les premières raisons. Ensuite, la guerre de sécession, il n'y a qu'en Europe qu'on parle de guerre de sécession. Les Américains disent « civil war », la guerre civile, les Yankees, disent la Civil War, les sudistes disent War Between States, la guerre entre les États. Et c'est ce que c'est. Ça n'est pas une guerre civile. Une guerre civile suppose deux camps idéologiques dont l'un veut imposer à l'autre sa doctrine. Le Sud n'a jamais voulu rien imposer au Nord. Laissez-nous vivre tranquille. Et l'envahisseur est le Nord Yankee, bien sûr, en l'occurrence. Alors, avec une question fondamentale, elle est vulgate concernant le récit de cette guerre de sécession, c'est la place qui revient à la question de l'abolition de l'esclavage, car on a présenté généralement cette guerre comme une guerre hautement morale, à travers laquelle le Nord voulait imposer aux États du Sud l'abandon d'une pratique qui était jugée désormais inacceptable. Qu'en est-il en réalité ? Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais quand une cause est trop économiquement évidente, on va trouver une version humanitaire. On ne fait pas la guerre pour aller chercher du pétrole ou pour asservir tel ou tel secteur économique de tel ou tel pays, on fait une guerre pour libérer. C'est ce que va trouver Lincoln, mais très tard. C'est-à-dire que c'est fin 1862, presque début 1863, c'est là qu'il parle d'une croisade contre les méchants esclavagistes, quand les affaires du Nord marchent mal et qu'il sent que l'Angleterre et la France de Napoléon III pourraient être bien tentées de reconnaître, on a été à deux doigts que le Sud fût reconnu par au moins l'Angleterre et la France. Donc c'est à partir de ce moment-là que la cause esclavagiste, abolitionniste, va prendre son importance. Avec cette espèce d'aberration, vous avez le général Lee qui, à la demande du beau-père de sa femme, a libéré tous ses esclaves, qui d'ailleurs sont restés sur le domaine d'Arlington, mais comme des employés, alors que la femme de Lincoln, dont plusieurs frères sont d'ailleurs des confédérés, cette famille est une famille du Sud qui, elle, a des esclaves qui ne seront pas libérés même pendant cette guerre dite de sécession. Et je crois même que dans les rangs confédérés, nous avons des Noirs qui combattent aux côtés des confédérés, ce qui remet un petit peu en cause la vision manichéenne élémentaire de la question. Et là, c'est un tabou jusque-là, mais ça, comme tous les tabous, il y a un moment où ils finissent par exploser. Quand vous allez sur les champs de bataille ou dans le Sud, dans les petits villages du Sud, il y a partout des stèles en hommage aux Afro-Américains qui ont servi sous le drapeau sudiste. Alors c'est de l'ordre de 80 000, qui n'est pas rien. C'est déjà intéressant, mais tous n'étaient pas des combattants. C'est vrai qu'il y avait des cuisiniers, des infirmiers, des palefreniers, des ordonnances, etc. Mais beaucoup faisaient le coup de feu, se battaient. Mais quand ils ont été arrêtés, les derniers à faire le coup de feu à Appomattox, avant que le général Lee se rende, c'est des cavaliers noirs, sudistes, qui refusent de se rendre. Il faut vraiment envoyer un officier pour leur dire c'est fini les gars. Bon, mais quand on les arrêtait, les Yankees, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne mettaient pas soldats. Ils mettaient anciennes esclaves utilisant muletiers, esclaves cuisiniers. Enfin, si bien qu'ils ont faussé les statistiques, ne voulant pas montrer qu'il y avait des combattants noirs. À la différence des armées nordistes, où il a fallu attendre, alors là, 1863, pour que les premiers régiments noirs existent. Parce qu'il y a des noirs qui sont venus, une délégation qui est venue voir Lincoln, qui leur a dit: ça fait un petit peu désordre. Nous venons de voir un millier de soldats noirs sudistes qui défilaient impeccablement, et vous voulez pas nous armer? Et Grant ne voulait pas, général Grant. On ne va pas armer des nègres, ils ne savent rien faire. Ils peuvent être même dangereux avec des armes. On est vraiment dans une histoire à front retourné. Il faut souvent l'écrire dans l'autre sens. Et la différence, c'est que les noirs qui étaient dans l'armée sudiste étaient au coude à coude avec les blancs,
Ils mangeaient aussi peu qu'eux. Ils étaient pieds nus comme eux. Ouais. L'armée des misérables, les misérables, comme on disait, les misérables, puisque eux, ils avaient lu Victor Hugo, dont le roman était sorti un petit peu avant la guerre de sécession. Et donc, tandis que dans l'armée nordiste, tous les officiers, tous les sous-officiers des régiments colorés, comme on disait, colored troops, étaient des blancs, et ils avaient un salaire de misère comparativement à leurs supposés camarades blancs. Voilà, ce sont des préventions qui vont demeurer longtemps ensuite dans l'armée américaine, puisqu'on voit bien qu'en 1917, il oui. n'y a pas d'unité noire combattante. Bien sûr. Il y en aura en 1944, mais il y aura davantage de noirs dans les services. Il faut attendre pratiquement la guerre du Vietnam pour que la part de l'élément afro-américain augmente vraiment au sein de l'armée. – Et la prévention à l'égard des gens de couleur, comme on dit, est véritablement inscrite dans une mentalité nordiste. On a des textes de 1850 d'un nordiste de Philadelphie, Boston, je ne sais plus, qui vient dans le sud et qui est dans le train. Il y a une maman noire et une maman blanche. Les gosses sont là, ils sont assis tous ensemble et ils puisent dans le même paquet de gâteaux. Je dis, mais incroyable. Et puis, quand on va dans les petits villages du sud, on voit un blanc traverser la rue pour aller saluer un noir de l'autre côté, lui serrer la main, demander des nouvelles de sa famille. Mais à Philadelphie, on n'oserait pas se faire voir avec un noir. Voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que le général Lee est intéressant, parce qu'il y a toute cette dimension d'un homme qui avait compris beaucoup de choses, qui n'a jamais rien demandé, qui aurait pu devenir, on lui a proposé, il a été convoqué à Washington quand la guerre, on sait que la guerre va éclater, et on lui propose de prendre le commandement en chef des armées nordistes, c'est-à-dire à l'époque 150 000 hommes déjà. Mais alors, pour revenir à cette question noire aux États-Unis, qu'en est-il aussi du mouvement qui était déjà entamé dans le Sud d'émancipation des esclaves? C'était un processus qui était déjà engagé. C'était un processus lent, qui se serait fait avec le temps, c'était déjà prévu, mais difficile, parce que en Louisiane, vous aviez des noirs libres qui avaient des esclaves. Bah oui. Vous aviez des Indiens qui avaient des esclaves. Donc, Jefferson Davis, qui est le président de la Confédération, va adopter un petit noir, lui et sa femme, qu'ils vont élever avec ses enfants. Ils l'ont arraché à un maître d'esclaves noir, qui le maltraitait. Donc, c'est un mouvement qui est en marche, qui se serait fait indubitablement. Mais il fallait que ce soit fait. Les abolitionnistes étaient des fanatiques, c'est le fameux John Brown, c'était des fanatiques religieux. Il fallait une génération pour que les choses évoluent, mais pacifiquement. Bien sûr, puisque il faut attendre 1885, je crois, pour l'abolition au Brésil, et l'abolition française n'est que de 1848. Oui, avec donc, rétablissement par Napoléon, dont on parlait. Même pas 20 ans avant la guerre de sécession. Alors, puisque l'on parle des Noirs. Un mot également avant d'en venir à Lee à proprement parler, concernant aussi les Indiens. Bien sûr. Parce que je crois que les Indiens, on les retrouve aussi dans le corps sudiste. C'est très intéressant. Vraiment au schéma habituel. Ça, tout ça, je l'ai raconté dans un autre livre qui s'appelle La désinformation autour de la guerre de sécession. Parce que les Indiens. Là, c'est aux éditions Folfer, je crois. Atelier Folfer. Désinformation dans la... On a dit les Noirs, les Indiens et les Juifs. Oui. C'est-à-dire que les sudistes vont avoir des officiers juifs très nombreux. Oui. Ils vont avoir un ministre, Benjamin, qui va être un ministre très important, qui sera obligé de s'exfiltrer à la fin de la guerre et devenir avocat en Angleterre. Mais tandis que dans le Nord, il y a eu des arrestations et des mises en camp de prisonniers, de juifs qui étaient suspectés d'avoir des rapports avec les Juifs du Sud. Avec le Sud, oui. Et il y a un colonel sudiste admirable, que j'aime beaucoup parce qu'il fumait le cigare en plus. Donc il n'y avait aucun problème. Les Indiens, bien sûr, les Indiens, notamment les Cherokee, mais pas seulement, avec un général, Stanwati, le fameux général Stanwati, qui alors lui a fait mieux que les Noirs sudistes d'Appomattox. Lui, il s'est battu 3 mois, 4 mois, il a continué la guérilla. Et on venait de lui dire, mais mon général, le général Lee s'est rendu. À lui, il s'est rendu, mais pas moi. Donc voilà, c'est une histoire qu'il faut aussi raconter comme ça, parce que on a cette image diabolique d'un Sud raciste. Alors c'est vrai qu'il y avait
il ne faut pas nier non plus que comme partout, très peu de blancs avaient, c'était des petits blancs la majorité, ils trimaient, ils travaillaient comme des noirs, qui n'avaient pas d'esclaves. Et quand il y a cet exemple d'un régiment yankee qui arrête un pauvre gosse de 18 ans, un petit sudiste, ils lui disent mais tu n'as pas d'argent. Tes parents n'ont même pas quelques arpents de terre. Vous n'avez pas d'esclaves. Vous n'avez rien. Pourquoi tu te bats ? Parce que vous êtes venu chez nous sans le demander et qu'on veut que vous repartiez. C'est voilà. Une raison. Qui est une bonne raison. Ce qui est une bonne raison, évidemment. Alors, dans cet épisode, dans cet événement majeur qui est la guerre de sécession, donc, qui s'étend de 1861 à 1865, il y a effectivement une figure particulièrement marquante qui incarne en quelque sorte la cause sudiste davantage que d'autres personnalités. Vous avez parlé de Jefferson Davis, on pourrait parler de Stonewall Jackson, mais c'est incontestablement Robert Lee qui apparaît comme l'image du Vieux Sud, comme la figure du camp des Confédérés. Alors, oui, qui est-il, ce Robert Lee ? Il descend d'une famille, sans doute, de ce qu'on va appeler comme mentalité, les Cavaliers. Ce n'était pas les têtes rondes de Cromwell, ça fait. Voilà, c'est ça. Hein. C'est des Cavaliers. Il faut rappeler que c'est en ce XVIIe siècle que les Anglais ont commencé à coloniser la Virginie et que effectivement ce sont des gens qui étaient proches de la monarchie des Stuart. Absolument. Qui ont été en première ligne. Alors c'est une famille effectivement qui arrive au début du XVIIe siècle, dans les premières années, 1620-25, et un de ces, c'est son arrière-grand-père ou arrière-grand-père, tout simplement arrière-arrière-grand-père, va être gouverneur de l'État de Virginie, hein, qui est nommé comme ça, on le sait, en hommage à la reine vierge, supposée vierge en tout cas. Élisabeth I. L'autre. Et donc, c'est une grande famille, c'est un des grands noms de la Virginie. Plus des gouverneurs, des gens qui tiennent des postes importants. Et son père, Harry Lightfoot en Lee, surnommé Lightfoot parce qu'il avait le pied léger, pas seulement le pied léger, va être un des héros de la guerre d'indépendance contre les Anglais. Et ce Henry, il s'appelait Henry, mais on l'appelait Harry Lightfoot, qui était son surnom, va donc être, un des signataires de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution et tout ça. Donc un personnage important. Mais c'est un peu un coureur de jupons, il aime bien boire, et il va dilapider la fortune familiale. Donc il va s'exiler un peu vers les Bermudes, ou on ne sait pas trop où. Il en revient, il meurt à bord du bateau qu'il ramène, et le petit Lee, à ce moment-là, si j'ose dire, a 10 ans. Et il est élevé par sa mère, avec des règles strictes, une religiosité pas puritaine, c'est pas les puritains de Cromwell, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des chrétiens de bonne observance, mais pas caricaturaux. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il n'y a plus beaucoup d'argent. On s'engage, on va dans l'armée, il fait West Point, c'est un jeune élève officier exemplaire, il sort second West Point, il en sort, et donc il est sous-lieutenant, puis lieutenant du corps des ingénieurs. Et il va être, à ce titre-là, il va être un de ceux qui a établi, rétabli, restauré ou instauré de nombreux forts tout le long de la côte des Carolines, de Virginie et... Jusque dans le Maryland. Voilà, un petit peu. Alors, donc là, ce sont ses débuts dans l'armée. Est-ce qu'il a eu l'occasion, avant la guerre de sécession, de servir, par exemple, lors de la campagne contre le Mexique ? Oui, en 1846. Mm-hmm. Donc, il est envoyé d'abord au Texas, et de là, le Texas jouxtant le Mexique, comme on le sait. Il va être un des officiers les plus remarqués. Le général en chef dira j'aurais eu quelques officiers comme lui, ça aurait duré 2 mois au lieu de durer plus longtemps. Il va jouer un rôle de commando presque, s'infiltrant derrière les lignes ennemies, restant caché une nuit entière sous un tronc d'arbre qui servait en plus de banc aux Mexicains. Il écoute tout ce qui se passe, il revient. Le lendemain, on peut les attaquer parce qu'on sait exactement où sont les canons. Donc il va revenir bardé de décorations et d'honneur. Mais il mène une vie de caserne après la guerre. Il s'est marié entre-temps. Il s'est marié à 19 ans avec une jeune femme de 18 ans. Un autre grand nom, encore
peut-être plus grand que les Lee, c'est les Custis de Virginie. Alliés au Washington. Alors, c'est Washington n'ayant pas d'enfant, va adopter le père d'Anne, futur Lee, Anne Custis, et ils ont le domaine d'Arlington. Ah oui. Alors, Arlington, là, c'est 500 esclaves, c'est pas à l'époque, et c'est un... je ne sais pas si vous êtes allé à Arlington, c'est le cimetière national, maintenant c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a été confisqué au Lee et jamais rendu, mais c'est là que, dès qu'elle le peut, dès qu'elle a des enfants, dès qu'elle a un enfant, ils en auront 7. Hop! Elle retourne chez papa-maman à Arlington, où c'est quand même plus confortable qu'une chambre d'officier dans un coin perdu de la côte de Caroline du Sud, etc. Donc, surtout avec cet enfant. La plupart des enfants naîtront dans ce domaine fabuleux. Et c'est le général Lee, qui n'est pas encore général, qui est colonel à ce moment-là, demandera une permission pour revenir à Arlington pour exécuter les dispositions testamentaires du père de sa femme, qui demandait l'affranchissement, la libération de tous les esclaves. Voilà. Et alors, comment va-t-il? Vous avez évoqué tout à l'heure son refus de prendre le commandement de l'armée nordiste. Dans quelles conditions va-t-il se retrouver à la tête des armées confédérées? Alors, il est convoqué à Washington. On lui dit, vous prenez le commandement des troupes qui vont envahir finalement le Sud. Et il répond, je prends la citation, « Je ne puis abandonner l'État où je suis né à l'heure de sa plus grande détresse. Je dois partager son sort et souffrir avec lui. Il est de notre devoir de vivre. Que deviendraient les femmes et les enfants du Sud si nous n'étions plus là pour les protéger ?» Donc il reprend son beau cheval blanc et revient dans le sud. Et là, il va très vite avoir un commandement, grimper en grade, de promotion en promotion, et finalement devenir le personnage que l'on sait et qui va être connu dans la légende sous le nom de l'homme de marbre. Et alors, cette guerre civile ou de sécession ou de guerre entre les États donc, commence en 1861. Comment se présentent les choses en ces débuts-là? Je crois que les sudistes ou les confédérés vont remporter dans un premier temps des succès assez éclatants. Oui, il y en a un qui est remarquable, c'est le Bull Run. Que les Yankees appellent Manassas, et qu'on va appeler First Manassas parce qu'il y aura un second Manassas, qui est un nœud ferroviaire déjà, c'est important. Les chemins de fer dans la guerre de sécession, il y aurait un livre à faire en français, parce qu'en américain, en anglais, ils existent déjà, sur le rôle du chemin de fer dans la guerre de sécession. Puis on connaît le mécano de la générale de Buster Keaton, qui est un film muet, très drôle, et qui raconte tout ça. Mais donc, il y aura ce Bull Run, qui est à 30 km de Washington. Washington est directement menacé. Et alors, ils sont arrivés, pas tout seuls, les soldats nordistes. Derrière, il y a les dandys, il y a les jolies dames avec des crinolines, ils sont en berline, ils sont en calèche, ils sont venus se mettre au-dessus pour voir la déroute de ces gueux, de ces technos sudistes. Ça va être vite fait, bien fait. Manque de chance, ils vont être bousculés. Dans la bousculade, les soldats yankees vont courir jusqu'à Washington, empêtrés dans les calèches, dans les landaus, les berlines qui sont venus voir tout ça, et les sudistes vont les poursuivre jusqu'à 7-8 km de Washington. Et là, il y a une polémique, alors les historiens militaires sont revenus là-dessus, comme sur Gettysburg, est-ce qu'il fallait aller dans Washington, est-ce qu'il ne fallait pas? Et de l'avis de Lee et de Stonewall Jackson et autres, il ne fallait pas, d'abord parce que les sudistes avaient quand même bien morflé, malgré tout, c'était une victoire, mais toutes leurs victoires vont être des victoires à la Pyrrhus, parce que même quand les autres perdent 5000 hommes de plus, en un clin d'œil, ils peuvent mobiliser 25 000 hommes, notamment avec les arrivées des migrants qu'ils enrôlent de force. Tandis que un sudiste qui tombe n'est généralement pas remplacé. Hein, on est un petit peuple de 5 millions de personnes contre presque 27-28 millions en face. Et puis, à New York, ça arrive, les Irlandais qui arrivent, eh bien, on leur dit, vous voulez devenir américain? C'est pas compliqué, vous allez dans l'armée. Voilà. Et on va avoir ce drame dans des batailles où ils seront formidables des deux côtés, mais on va avoir l'Irish Brigade, la brigade irlandaise d'un côté, et de l'autre côté, la brigade sudiste irlandaise, qui vont s'affronter dans une guerre fratricide. Alors qu'ils venaient peut-être des mêmes villages. L'autre grande différence, c'est que tous les combattants du Sud, à 80%, étaient des natifs sudistes, tandis que dans le
Nord, il n'y avait que 25% de natifs du Nord. Mmh. Et il y avait des brigades entières qu'on appelait les brigades allemandes, parce que les combattants ne parlaient même pas américain. Ouais, ils étaient commandés en allemand. Bien sûr, par exemple. Et bien parce que c'est tout simplement au Nord qu'arrivaient les immigrants. Voilà. Parce que la configuration de la côte faisait que les ports d'immigration, c'était là, c'était New York. Et ce Nord, quand même, qui avait eu tous les ports négriers. Parce que tout le commerce, jamais un drapeau sudiste n'a flotté sur un bateau négrier, jamais. Et quand, dans les années 1830, la Caroline du Sud avait commencé à évoquer la possibilité, doucement, de mettre fin à l'esclavage, les industriels, les armateurs du Nord, de Boston, de Philadelphie, New York, avaient dit « Mais vous voulez nous mettre sur la paille ? Nous, on construit des bateaux, et puis on envoie de la mélasse, et on ramène, on fait le commerce triangulaire ou quadrangulaire, je sais plus à l'époque, mais vous allez nous mettre sur la paille. » Et c'est un refus du Nord, là encore une fois, d'avoir accepté cette mise à des normes humanitaires. Parce que le général Lee disait « L'esclavage est un mal absolu, c'est un mal politique, c'est un mal spirituel, c'est un mal moral, et il fait certainement encore plus de mal aux Blancs qu'aux Noirs. » Général Lee qui disait ça. Oui, ce qui est quand même voilà. Con. Oui. Alors, un mot sur Gettysburg, parce que le temps avance très vite. Donc, Gettysburg, terrible bataille. C'est une des rares fois où l'armée sudiste en marche, en ordre de bataille, est passée au Nord. Mais oui. Parce qu'ils sont rentrés au Maryland, parce que, comme vous le savez, le Maryland était pro-sudiste, mais ils n'ont pas pu y rester, parce qu'immédiatement, c'est un tout petit pays, le Maryland, c'est 3 départements français. Donc, Lincoln a envoyé tout de suite des troupes d'occupation, avec la loi militaire. Il y a eu des raiders qui sont allés jusque dans l'Ohio. Il y en a un qui s'appelle James Hunt Morgan, qui est allé tourner jusque dans le nord, jusque titiller même sous Chicago un petit peu les nordistes. Bon. Et la vallée de la Shenandoah. Ouais, vallée de Shenandoah, mais on est dans le territoire sudiste. Oui. La Shenandoah Valley, c'est territoire sudiste, les Blue Mountains, Blue Ridge Mountains, tout ça. Mais là, pour la première fois, l'armée constituée va passer de l'autre côté, en Pennsylvanie. Et là, ils ne sont pas en territoire Abby. Alors c'est déjà difficile, mais quand on est à plusieurs dizaines de milliers d'hommes, on traverse les visages, même hostiles, sans trop d'ennuis. D'autant que Lee a une discipline terrible. Il fera fusiller des hommes qui, en Pennsylvanie, avaient été des maraudeurs de bétail. Bon, donc il y a la bataille de Gettysburg qui se passe, où il y a des pertes énormes des deux côtés. Je crois que même les Yankees en ont perdu plus. Mais voilà, il faut repartir. Ils repartent dans la boue. On est en été, mais c'est des orages terribles. On repart, ils refranchissent la rivière et le Potomac. Et l'armée Yankee s'appelle l'armée du Potomac, qui avait été un petit peu refaite. Et là, ce n'est pas le début de la fin, parce qu'on est en 1863, juillet 1863. Il y aura encore de beaux combats, de belles batailles, de beaux succès sudistes, mais un Sud exsangue. Ce sont des combats de retardement, et le rapport de force sur le plan matériel est écrasant. Et après Gettysburg, les velléités anglaises et françaises de reconnaître le Sud sont abandonnées. Sont abandonnées. Voilà. Oui, évidemment. Et puis on pense à Red Butler, Louis Raves, Slaves and Arrogance. Oui, absolument. Il y a le blocus, tout le Sud est bloqué. Alors il y a les briseurs de blocus, dont Red Butler. Vous avez parlé il n'y a pas si longtemps. Avec la terrible marche à la mer de l'armée de Sherman qui introduit, un nouveau type de guerre qui va être propre à la guerre américaine, d'une certaine manière. C'est un rouleau compresseur, mais moi je serais moins sévère que vous, parce qu'on a eu les colonnes infernales. Oui, mais c'était avant. Oui, mais je veux dire que ça a inspiré, d'ailleurs, un général sudiste, un des grands généraux sudistes s'appelait Toutain de Beauregard, général Beauregard. Les sudistes disaient, les Yankees ont le regard torve, nous avons Beauregard. Eh bien, lui avait dit, les nordistes sont des jacobins, nous sommes des vendéens. Donc, il avait fait ce rapprochement. Il descendait. Son grand-père était un ancien combattant vendéen qui avait quitté la Vendée après, quand il avait fallu Beauregard. Donc moi je vois beaucoup de similitudes dans ce combat et les colonnes infernales avec l'ordre de tout brûler, de tuer le bétail, de n'épargner personne, de ne pas laisser pierre sur pierre avec le célèbre incendie d'Atlanta, évidemment, etc. Donc Sherman, bien sûr, qui est aujourd'hui, Sherman et Grant, seraient passibles de crimes contre l'humanité, parce que ce qu'ils ont fait dans le Sud.
c'est oui. vrai. Oui. Et même les plus farouches pro-nordistes commencent à en revenir un peu quand même. Oui, parce que de ces deux individus. C'est pas Philippe Conrad là encore que je vais l'apprendre, mais les historiens anglo-saxons ont un recul et une mesure que n'ont pas souvent les nôtres. C'est vrai. Qui se croient obligés de commettre la faute majeure contre l'histoire, c'est de juger l'histoire d'aujourd'hui avec nos critères d'aujourd'hui et les appliquer. Mais effectivement, sur ce terrain-là, il y a peu d'historiens français qui se sont intéressés à la guerre de sécession. Je signale quand même Steve Saint-Laude qui a publié, il y a 2-3 ans, je crois, un travail sur Napoléon III, justement. Et les sudistes. Et les sudistes, oui, et la absolument. Confédération. C'est un travail très pas grand public, mais qui est passionnant. Mais alors, dans un travail grand public et qui a été, pour moi, un grand inspirateur depuis longtemps, il y a Dominique Vénère, avec son Blanc soleil des vaincus, oui. qui va être réédité très prochainement. Qui va être réédité en octobre aux éditions Via Romana, et qui a été, dans les années 70, un petit peu un point de repère. Il faut dire qu'il faisait scandale. Ça a été dénoncé comme sympathique. Ça a été dénoncé comme un livre incroyablement audacieux. Par la manière de briser les. Voilà. Et puis il a fait un Gettysburg aux éditions du Rocher, qui est un très beau livre aussi à voir dans sa bibliothèque, et qui sont des livres, l'un et l'autre, grand public, sans que cela soit dit péjorativement. Mais c'est intéressant de faire passer cette histoire-là ailleurs que dans les thèses d'historiens. Et alors je crois que tout l'intérêt du travail de Mick Vénère, c'est de montrer surtout qu'au-delà du conflit directement politique, au-delà bien sûr du prétexte idéologique de l'esclavage, il y a dans cette guerre l'affrontement de deux sociétés, de deux types d'hommes, une société traditionnelle au meilleur sens du terme d'un côté, face à une société moderne, Moloch, industrielle. C'est ce qu'on allait connaître, c'est bien, bien dommage que le Sud n'ait pas gagné. Les États-Unis seraient différents. On peut faire une uchronie, mais pour faire plaisir. C'était difficile à envisager au vu du rapport des forces, encore une fois. Et on peut rappeler le livre de Bardèche, Sparte et les sudistes, qui est aussi intéressant comme réflexion. Alors l'émission se termine, merci Alain Sanders. Je rappelle le livre Robert Lee dans la série Qui suis-je aux éditions Bardès. Et puis vive les sudistes, n'est-ce pas? Merci messieurs et restez-nous fidèles. À la prochaine fois.